Yo, l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous êtes avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois que vous visitez nos informations, nous partagez et intéressez-vous, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne de notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que j'ai une information sans problème. Plusieurs centaines de familles activement sous braille a couru quitter côté Yoterete dans la plaine dans son 9e jour depuis laissé frapper un gang examen 400 marozo avec chien méchant yo autorité yo coup de bouche yo pas fait rien devant des gang examen qui continue à tirer sans garder derrière dans plusieurs quartiers la plaine te gain gros tension tout dans zone Douya Carrefour Vincent avec Damien avec beaucoup d'âme qui t'a chanté dans quartier ça yo parmi conséquence situation ça famille yon grand monde qui mourit la nuit dimanche à 1er pour entrer lundi 2 mai 2022 a pas de capable sortir pour faire un pont funèbre vin pour cadavre la caillou. Mois mai 2022 a fait 11 mois depuis gang examen pour contrôle matissant pour ces deux plusieurs milliers de familles dans le site Port-au-Prince sans la police pas jamais fait rien pour quoi payer. Organisateur doit mon fondation J.K.R. J.K.L. longe doit être son comportement manfou ben autorité yo pour le climat d'intérêt exact violence gang examen yo a si marié dans Port-au-Prince. Mouvement grève greffier autant mais depuis mardi 12 avril 2022 dans 18 espaces tribunaux pays d'Haïti yo gain gros conséquences sur quantité monde cap pourri dans prison sans jugement d'après organisme Douamoun Fondation J'éclairé. Ancien militaire Ashley Larac qui s'est membre groupe travail pour sécurité plaidé pour police nationale en sortie en bas influence politicien mafia et businessman malhonnête pour permettre institution sa goumen comme ça doit contre insécurité et grand banditisme captaille banda dans pays en porte-parole groupe travail sous sécurité Ashley Larac diliré te coin PNH la gain capacité cité pour bataille contre bandio qui passe suspend mettre de l'eau dans les familles haïtiennes. PNH lan gen assez unité spécialisée pour troquer con ak bandio mais pour ça arriver fait les besoins sortir en bas mauvais influence politicien ak l'autre secteur qui toujours besoin utiliser institution ça pour régler affaires personnelles yo. Yon l'autre côté ancien militaire plaidé pour gagner un programme social qui mettait sous pied dans l'idée pour empêcher ti moun piti yo tomber en bas tentation pour rentrer dans gang déclaration porte-parole groupe travail sous sécurité en Ashley Larac nan micro Jean-Ernst Antilus Junior. La police a des suffisamment unité spécialisée pour être capable de résoudre le problème. C'est vrai que la responsabilité est en pile de temps et qu'il faut instrumentaliser l'utilisation de gangs à des politiques. Tout. En plus que la mafia a utilisé les gangs, créé dans les utilisés, mais les politiques viennent prendre l'habitude d'utiliser les gangs et surtout les élections. Je forcer mon argot tel ou m'empêcher mon retour dans l'autre monde, de faire pression quelconque. Donc, l'utilisation de la politique vient affaiblir l'État lui-même. Parce que même l'État américain, vous croyez que la police, si on a l'attitude, il y a des corps et des policiers suffisamment traités qui vont résoudre le problème. Si nous ne parlons pas contre les policiers pour résoudre le problème, mais si l'armée, un embryon d'armée qui commence à faire, il y a suffisamment de gens qui arrivent de côté pour mettre des fautes par la police sur les problèmes. Je ne sais pas si c'est un bagage qui est arrivé au moins pour mettre des problèmes. Si, pour volonté manifeste des dirigeants, mais il faut trouver ça dans le power et c'est plus gros problème. La résolution du problème, et quand il y a une possibilité de produire, passe d'abord à une prise en charge de l'État et de la société civile des problèmes sociaux. Sport, son bagage. Qui résout des problèmes sociaux. Pour la son bagage qui paye si vous activité, qui vous retire en vie pour y rentrer dans le bain, ou bien dans leur activité qui va pas correct. Nous connaissons que le ministère des Affaires sociales suppose régler des problèmes de société dans différentes zones. Est-ce que il y a besoin de planifier la santé publique a besoin d'y faire? Parce que l'on finit cette pitié. Et puis, pas qu'à occuper même des pitiés. Pour tout connaître, les centres qui vont jeter, de la roue de la pour ce cas de l'étude dans la rue, l'État lui-même pas intéressé pour une petite petite à la côté de 5 ans dans le rire, c'est le prochain européen du contrôle, tout ça dans le rire, nous-mêmes, nous ne pas comprendre où est le ministère ça, nous ne pas comprendre dirigeant du ministère ça, c'est à faire. Je n'ai pas de l'unité de rien.
sous initiative organisation syndicale dans secteur textile là dans tête collée à combat organisation syndicale populaire plusieurs dizaines travailleurs militants politiques marchés dans la rue capitale là hier dimanche 1er mai pour exiger bon genre conditions travail pour travailler dans tout secteur dans pays hein match ça qui organisé dans occasion journée internationale travail là mais tout qui s'est fait à agriculture à travail dans pays d'Haïti c'était occasion pour dénoncer comportement autorité dans gouvernement de facto Ariel Henry qui pas suspend passer en bas pied droit travail citoyen elle décidé pas faire rien pour améliorer conditions y a travail en particulier dans secteur sous-traitant. Yon dirigeant combite organisation syndicale populaire Guinuma profite dénoncer premier ministre de facto Ariel Henry qui plus occupé de consolider pouvoir illégitime néan nan développer rapport gang nan bayou zam ak l'agent ou lié pour tant de cri travailleur qui pas suspend vive mauvais la vie en bas mes chefs entreprise yo. Guinuma qui se membre commission mobilisation transition coupé fâché mande démission premier ministre de facto Ariel Henry pour mise en place un pouvoir capable résoudre problème insécurité en dossier salaire à l'autre condition la vie travail au côté déclaration Guinuma. Aujourd'hui, c'est le 1er mai, c'est journée internationale libre travail et sur toute la terre, l'État bourgeois a eu plaisir et journée fête, ce moment au service pour le bois champagne, sous le travail. Nous avons constaté le gouvernement place là, débloqué 186 millions de gouttes, sous d'ouvrier, pour bois champagne. On est à Bolo, l'argent, l'État, qui n'a pas pour bailler Grenègue. Eh bien, nous-mêmes, dans la commission de mobilisation à Comontana, nous présents dans la rue, en bas côté ouvrier, pour demander plus bonnes conditions de travail, pour tout travail dans l'État public, c'est pas seulement ouvrier qui est dans la factory. Même dans l'État, eh bien, ouvrier, travaille dans mauvaises conditions. Par exemple, soit à l'hôpital général, et pas là. Avec toute l'autre bataille qu'on est, en dedans l'hôpital général, eh bien, eux-mêmes tout, ils ont touché moins que environ 10 000 gouttes, ça veut dire moins que ça. Le minimum et l'état fixé. Donc nous demandons plus de conditions de travail pour tout le travail en général. Nous demandons 1500 gouttes pour ouvriers qui sont dans factorio. Nous demandons tout pour question de sécurité à tabac. Nous ne pas demander à Ariel pour résoudre le problème de sécurité parce que vous pouvez suffisamment qu'il n'est pas capable. Au contraire, c'est départ Ariel. Nous demandons sous pouvoir. Donc comme nous avons quitté le pouvoir, pour contre transition pour fâcher, qui établit dans cette pays pour venir attaquer le problème de sécurité, pour attaquer le problème de salaire, pour venir attaquer le problème. Nous sommes dans le dernier mouvement qui m'a oublié au tapement de 1700 pour salaire minimum. Non, qui ça autorité de faire? Nous sommes à la revendication par rapport à ce ça fait qu'il y a. Bon, généralement, chaque ouvrier ouvre la rue, l'État ça, l'État bourgeois, craché dans le ouvrier, craché au timon dans le bolio. Je t'ai ajouté 185 gouttes seulement. Pendant ouvrir au tapement de 1500 gouttes, c'est pour ça que nous-mêmes nous pouvons faire bataille à continuer. Et puis, bon, façon pour bataille à continuer, parce que nous déchouons. Que l'équipe mafia qui est dans cette l'État, qui sont bonnes tchoules bourgeois, qui sont bonnes tchoules impérialistes américains, vous ne savez pas capable de résoudre le problème ouvrier, pas capable de résoudre le problème paysan. Donc, pour nous déchouquer, pour établir un pays en transition, qui est même pas pour répondre aux revendications, travail en général, les revendications de toute population. Il y a dimanche 1er mai, n'a pas rappelé, c'était fête agriculture et travail dans le pays d'Haïti. Depuis dans vendredi, le gouvernement de facto Ariel Henry a organisé une cérémonie dans Mipana pour te marquer d'Atsa. Dans pile côté, dans le pays, il y a un foire agro-artisanal, foire gastronomie qui était organisé en cours sous place Saint-Pierre dans Pétionville, Kinskoff, Fiosi et Latrier. Jeune ethnie dans Fiosi était organisé samedi à hier dimanche, deuxième édition foire agro-artisanale qui était rassemblé en pile monde qui était sorti tout partout. Coordonnateur jeune ethnie dans Soussa et Jean-Michel Joselus fait qu'on est yo satisfait pour deuxième édition par rapport à première édition côté population pas trop habitué avec activité hein yo espéré faire mieux année prochaine faut nous dit gagner en pile légumes, en pile produits transformés qui étaient exposés dans le cadre d'activité. Ça, nous invitons à écouter un extrait dans la déclaration Jean-Michel Joselus, qui est coordonnateur jeune ethnie dans Soursaï. Nous représentons 80%
la production culture maraîchère pour zone métropolitaine. Pour qu'il sache qu'un jour, comme un jour pour le 1er mai, nous qui faisons l'agriculture avec travail, nous pas qu'à utiliser ce moment ça pour que nous parlions de l'agriculture, nous parlions de qu'est-ce qu'on pour nous parler en soi des productions, de qui ça nous cultive. Ça fait que nous gardons aujourd'hui, nous gagnons trois grands axes que nous posons accent sur eux. C'est l'agriculture, côté que nous présentons des produits que la communauté a fait, ça qui fait dans la terre, qui c'est toutes les légumes qui sont maraîchères. Et nous avons un deuxième compartiment que nous gagnons des produits artisanaux, côté que nous jouons un tableau, nous jouons une pochette, nous jouons tout ça que artisan nous produit ou même avec nous. Troisième compartiment, côté que nous jouons produire, manger la caillou, côté que ça depuis tant longtemps que nous ne jamais jeunes, que nous venons manger la traverse pour tchaka, tant pour bon bouillon cabrit, tant pour bon dépal, manger qui fait dans terre. C'est dans ce sens que nous voulons valoriser produire la caille avec tout ça qui gagne la caille. Comparé à l'année dernière, qui avance nous fait dans la deuxième édition. Pour l'année dernière, que nous sommes capables de dire, nous ne pouvons pas comprendre la réalité, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'on fait là. Mais pour l'année ça, malgré tout ça que nous sommes capables de comprendre, nous avons fait qu'on vend 1300 dollars haïtiens. Côté que nous prenons les mounions de courage, nous ne pouvons pas planter. Côté que nous prenons le soleil, que nous prenons des petits mots qui de l'eau sous tête, pour produire des légumes, que nous sommes déterminés, on ne peut plus que nous venons exposer les produits que nous faisons. Et ça, regardez là, nous prenons une belle tasse de bois qui des bons légumes, c'est ici là que nous faisons, malgré un vrai achat. Jolosma François, qui est un exposant dans le cadre de la foi artisanale, jeune ethnie, dans son site FUSI, est organisé, exprimé satisfaction. Il fait qu'on ait fait bon la vente. Il paraît pour déjà pour participer dans la prochaine édition et foi jeune ethnie sur site FUSI. Il y a bien pour organiser. Nous invitons à écouter un extrait dans la déclaration. Nous vendons assez bien, il y a plus de monde qui passe, l'ambiance est bien déroulée, donc moi je suis vraiment satisfait de la deuxième édition. Ça. C'est un plaisir et moi bien content. L'activité a dit très bien passée jusqu'à présent. Produire ou même qui fait? Oui, c'est aux amis qui fait. C'est aux amis qui fait ensemble parce qu'il y a des 12 femmes, ils achètent bananes, ils achètent bananes pays, ils vont prendre des bananes à cahier tout, ils transformer. Tout le monde, c'est produit local que nous transformons et puis nous emballons et puis nous mettons. Nous avons annoncé le titre combat pour logement alternatif. Kaila continue à attirer attention autorité dans le gouvernement de facto avec Mério sous gros danger et station gasoline à gaz propane représenté pour la population en particulier si la yoka vive dans le quartier qui pipe au côté qui gagne en pile monde. Secrétaire général Kaila Renel Sanon a réagi sous explosion yon camion gaz propane dans Delma 33 samedi 30 avril passé dans le moment de t'a paré là pour faire une livraison côté gain pour pipiti trois moun qui boulaient gravement et plusieurs machines qui boulaient rapidité. D'après Renel Sanon, ça passé dans Delma 33 à plein dérivé à cause autorité ou pas gain aucun contrôle sous causé installation et station gaz propane qui pas suspend poussé tant qu'un dion en violation normes qui établit. Renel Sanon dit la continuer fait plaidoyer pour encourager moun ki victime yo porter plainte et puis mander ou fait pression sur l'état central ak responsable mairie en particulier dans l'idée pour contraindre yo prendre bon gens disposition pour gérer installation et station gaz propane anarchique yo qui c'est un gros source insécurité pour toute population. Côté déclaration secrétaire général Kaila Renel Sanon. Ça passe dans l'impasse Joseph, dans Delma 33, zone place publique, et qui gagne dans Delma 33. Le camion explosé, pendant le temps pour gaz pour maintenant, tu gagnes une série de machines qui étaient stationnées dans la zone. Il y a trois autres machines qui moulaient plus camion gaz là. Bon, heureusement, pas de monde qui mourit, pas de monde qui blessé. Ça passe hier samedi 30 avril là. Donc, et la Kaila, et nous avons effectivement, nous avons signalé nous ça, nous constater
et ça qui passe là. Dans ce cas-là, nous toujours faire des loyers sur question de sécurité publique, que nous-mêmes nous considérons implantation station gaz propane dans le quartier populaire. Je sais que de façon anarchique, nous toujours dénoncer ça comme un véritable problème de sécurité publique. Nous-mêmes faire des démarches, bon côté mairie, pour poser problème là. Malheureusement, la mairie, la zone, surtout la zone métropolitaine, non. Donc, je ne pas occupé de ça. Parce que en fait, et nous ne croyons pas aucune loi et la question d'implantation pompe gasoline, pas qu'il n'y a aucune loi qui réglementait l'implantation pompe gaz de panne à fonctionnement. Donc, façon et à peu planter dans le quartier populaire, ça représentait un gros danger mortel. Autorité, par exemple, occupée de revendication ça, et malheureusement tout, population, par exemple, voté plainte, population, par exemple, fait pression sous autorité, sous l'État, spécialement autorité la mairie, qui sont même directement responsables communaux, qui c'est la première autorité qui a supposé prendre des dispositions pour empêcher et situation ça. Force nationale pour démocratie, quoi, c'est celle yon changement gouvernance politique sous base yon large consensus qui chita sous intérêt supérieur nation qui capable retirer pays dans mauvaise situation li trouver le jour d'aujourd'hui. Personne pas capable prétendre ni capable résoudre li même seul crise pays a fait face jour d'aujourd'hui. D'après coordonnateur national FND Serge Jean-Louis, dirigeant politique là dénoncé autorité qui d'après lui agit comme si situation sécurité paysan cap détériorer c'est un bagage qui normal parce que yo pas fait rien pour mettre la paix dans pays. Aucun dirigeant responsable pas qu'à vivre dans la paix face à dimension phénomène insécurité, pas qu'à vivre sans qu'elle saute à dimension phénomène insécurité dans paysan. D'après Serge Jean-Louis, d'après lui, situation qui gagne dans plusieurs zones dans région métropolitaine Port-au-Prince, la dayo la plaine du cul-de-sac atmatissant pas capable pas troubler un vrai patriote. Coordonnateur national FND a accusé exécutif là à communauté internationale spécialement comme groupe là comme celle responsable situation ça. Côté réaction coordonnateur national FND Serge Jean-Louis. Dans n'importe quel pays dans le monde, un pays qui a une situation comme ça, aucune autorité ne peut vivre en paix. Je dis à vous admettre que dans mon expérience pendant des années, vous me dites Haïti va changer une situation comme ça. Mais il faut admettre à Dieu et vous, pas que l'État. Si pas que l'État, on ne peut pas parler d'autorité. D'ailleurs, nous avons un pouvoir là qui est contraire à pratique, non, à culture, non, parce que nous avons une culture présidentialiste. Au rôle exécutif, monocéphale, avec un premier ministre qui n'a ni légitimité populaire, ni légitimité politique nécessaire. Et en plus, nous ne sommes pas bénéficiés de confiance au niveau de la population. Je considère M. comme un menteur, un irresponsable, qui dit n'importe quoi. Donc, ça qui a passé, que ce soit Matissan, que ce soit ça qui a développé le plein ou à travers le pays en général, pas capoter un haïtien qui remet le pays à bien. En plus, sous ta responsabilité dans l'État, pour bailler réponse, encore, il a pris grave. Mais ce n'est pas ça que je constate là. C'est comme si, premier ministre, pas rien qui est anormal dans la société à Bouli. C'est comme si, pour ministre, pas rien de droit qui a passé dans le pays. C'est comme si, pour les gens qui occupaient de l'appareil judiciaire, pas rien qui a passé de grave. Donc, moi, comme dirigeant politique, disons, citoyen là, j'ai militant politique qui pendant des années prend des engagements dans le pays, non, dénoncé pendant une fois, bagaille ça, a passé là, hein, et fixé responsabilité à deux niveaux. Dans un premier temps, au quelconque de la communauté internationale, ça n'aurait les quoi groupes là, c'est fédération, c'est fédération de diplomates en Haïti, qui va exister aucun côté dans le monde, parce que je prends des consultations sur ça, ça va exister aucun côté dans le monde, c'est en Haïti, où nous avons quoi groupes qui ont fédération des diplomates, c'est deux niveaux. D'abord, sur l'autorité qui monte incapable, irresponsable. Deuxième niveau, c'est... Nous gagnons en ligne avec nous Vitalem Axeus, nous habitués à parler avec lui. C'est un intervenant dans la zone, moun, dans la zone à travers centre Kirele Kapak. C'est un centre communautaire
qui occupe de questions paysannes, centre d'animation paysanne et d'action communautaire, CAPAC, qui l'en croit des bouquets. Nous gagnons en ligne avec nous, Vitalem Axeus. Bienvenue sur antenne Alter Radio. Bonjour Godson, c'est un plaisir pour moi pour m'avec vous à midi. Oui. Comment CAPAC sent que nous gagnons qui occupe de questions paysannes, l'encroix des bouquets a fonctionné en condition que nous tendons tout ça qui a passé là aujourd'hui? Jodi a non CAPAC pas différent de l'autre institution qui est dans pleine cul de sac là. Et par rapport avec les routes qui bloquent un peu partout, nous avons un effectif qui réduit par rapport avec le fonctionnement du bureau, qui vient faire que nous avons un droit pour nous circuler qui n'est pas respecté parce que les zones sont bouchées par rapport avec guerre gang qui vient dans pleine équipe de sac là. Mais ça n'a pas empêché que nous continuions de travailler pour nous porter assistance avec les gens qui déplacent. Côté jeune aujourd'hui, par rapport avec les dernières statistiques que nous jouons, nous avons 1189 personnes qui déjà dans deux sites qui viennent dans la zone Tabala, qui c'est Kai Castro avec elle dans l'église Adventiste qui dans l'éclaircine 22A. Reprenez le chiffre pour nous, s'il vous plaît. Nous avons 1189 personnes. C'est bien monde, c'est pas famille. Oui, monde qui est déplacé. Mais par contre, il y a 230 familles qui sont recensées pour journée aujourd'hui dans deux sites que nous sommes bail là, qui c'est Kai Castro avec l'église Adventiste et Kina Clercine 22. Et site ça, bon, c'est pas unique site. Nous avons des gens qui allaient sous place publique, etc. Donc, il y a des gens qui déplacent un peu partout. Oui, les gens qui allaient sous place publique, mais ils ont passé journée là. Parce que pas il y a trop d'espace pour bouger sous place là, mais il a cherché tout la vie parce que pas y a trop la vie pour eux, parce que l'État a fait intervention pour permettre que moun yo joigne assistance avec pour permettre que yo vive comme ça doit par rapport avec situation que yo jeune aujourd'hui. Mais nous parler de contexte là un petit peu plus tard, mais continuez par les moyens de action que nous fait nous-mêmes CAPAC dans le moment jeudi là. Jeudi là, nous en contact avec la direction protection civile qui est au niveau local, dans la zone Tabar, côté réfugiés qui sont du Croix des Bouquets, Santo, Bidboye et Rivé. Semaine ça, on a commencé une action que n'a permettre que nous baillons 200 plats chauds matin et après-midi avec les bénéficiaires grâce avec financement PAM, Programme Alimentaire Mondial, qui permettre que nous intervenions pour nous répondre avec besoin ça. Et là, opération ça, elle est en cours là, combien? On a fait planification, nous rencontrer avec la mairie, nous rencontrer avec l'autorité locale DPCO pour permettre que nous coordonner la distribution placho qui pour permettre que les victimes bénéficient d'une assistance alimentaire d'urgence rapide. Ouais. Et assistance alimentaire ça est nécessaire en pile dans le sens que même m'a pensé à dignité mon lieu des monde qui t'a vivre qui t'a occupé de tête etc. et puis je dis à qui a tant de plat manger etc. voilà donc un peu préoccupé pour ça est-ce que comme si donc est extrêmement nécessaire. Oui, je pense que à court terme, c'est nécessaire parce que nous connaissons que nous, ici en Haïti, nous vivons au jour le jour. Nous, c'est par rapport avec qui j'en journée à fonctionner qui permettent que nous vivons. Et c'est l'activité économique qui va être moyen pour aller faire manger la caillou. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de moyen pour faire pièce activité économique qui peut permettre que nous répondons à besoin de famille. Je pense que ça, à court terme, l'important, mais à long terme, nous avons l'autre assistance qui va permettre que nous faire relance économique pour nous reprendre vie. Parce que grand pile monde qui n'a pas de moyen. Tout moyen de gagner, soit au boulet, soit au perdu, pendant qu'il y a pour quitter la zone qui est en conflit. Et donc, tableau général là, c'est qui s'allie? Bon, on pose des questions un peu très larges pour gagner liberté, pour parler de son ouais, de son vivre. Donc, tableau général là, dans la zone que nous avons parlé à la plaine en général, qui ont bonne quartier, bonne localité là-dedans, c'est qui s'allie?
Et bon, je dis à nous gagnons une scène de guerre dans en pleine ville de ça. Gagne famille qui veut sortir que yo pas qu'à sortir. Gagne pile corps qui a dégagé mauvaise odeur dans zone yo côté que autorité locale la mairie qui était ca là pour permettre que yo lever corps ça yo pas lever yo. Ça vient fait que moun yo a vivre yo dans difficulté pour yo manger côté yo dans pleine ville des sacs là mais yo gagne des cadavres tout qu'a fait cap gâté qui dans toute zone yo que qui exposé avec par rapport avec son environnement. Ça c'est réalité. La réalité à tout, nous arrivons dans une situation côté que deux groupes gang cap boumen qui mettaient en danger ensemble de monde dans la population civile là. Et nous voyons que monde dans la population civile là tout prend un piège côté que toute zone yo bouché côté que pièce monde pas vaquer avec occupation yo gagne. Mais gon ensemble d'atrocités tout cap fait par rapport avec situation ça nan niveau plein qu'il de sac là côté que nous ouais des bagages nous te qu'on ouais dans des guerres et dans l'autre zone tant qu'en en Afrique Soudan au Congo mais c'est ça n'a vivre une aujourd'hui côté que des groupes a boumen côté yo tué des monde yo coupé tête sur yo exposé tête sur c'est des bagages que nous pas ta imaginer nous même ici à Haïti que n'a vivre côté que haïtien entre haïtien a fait des combats dans zone pleine qu'il de sac là côté que la police dans bout difficulté pour venir jodia pour faire intervention pour permettre que mounio joigne un souffle par rapport avec situation ça. Et justement comment présence la police là y est? Et bon, je pense que la police là tout lui doit porter image li en tant qu'institution dans zone cap qui gen conflit yo. Et je pense que son bagay qui doit dénoncer et dans zone conflit yo côté que li pas possible. Je ne veux dire à côté gang yo côté que gen plusieurs catégories moun k'ap créé yo. Et il faut que nous dit ça tout dans communauté yo pour permettre que moun connaît ça. Dans activité gang yo, nèg politique yo créé yo, nèg qui dans activité économique la créé yo. Et puis la police créé gang tout, faut que nous dit ça. A il dit que dans zone Kafou, nous gagnons un gang qui les caravanes, c'est la police qui créé. Est-ce que la police a créé groupe armé? Nous gardé dans la pleine qu'il des sacs là, chez méchant gagné et impartialité par rapport avec question ça tout. Et il dit faut la police pas créer gang pour qu'il permette que population vive normalement dans zone yo. Et moi pense que c'est ça n'a demandé en tant qu'organisation qu'a fait observation pour permettre que la police a levé pied pour permettre que lui permettre que moun yo protéger même la devise qui yo gagné qui s'est protégé avec servir population. Alors, des besoins évaluer présence là, est-ce que nous ouais, la police en pile, parce que bon, vous même vous annoncez opération que vous faites de temps en temps, mais est-ce que comme si la police là vraiment visible? Oui, bon, mais la police là, je pense que les plus faire une intervention de prévention. Au lieu d'intervenir pour couper fâché avec mode de pratique gang yo gen, toute habilité yo gen pour yo sorti et puis pour kidnapper moun, pour yo prendre tout ça moun yo gen comme bien économique, li pa fè action ça yo. Ou imagino jounen jodi a en moment la police li font passer, li fè photo comme réseaux sociaux comme c'est promotion y a fait. Mais nous pas dans promotion, la population pas dans promotion qu'on y a. Population doué n'en permettre que journée jodia yo vaquer avec occupation et la police doit réagir normalement pour permettre que li faire une proposition plus à long terme au lieu de yon bagay qui ponctuel qui pas permettre que nous résoudre des problèmes que nous gagne jodia là. L'en pleine du cul de sac là et qui zone qui pichou ces jours-ci? Bon, je ne veux dire, zone qui pichou, c'est zone Santo, c'est zone Bidboya, qui est en guerre entre gangyo, c'est tout, c'est zone qui est dans zone Douya, matin qui est en pile détonation, qui est lié toujours à même conflit ça, et nous avons zone La Tremblay, c'est Michaud.
et zone Duval inclus zone relais cité Doudoun et puis avec l'autre zone qui lié avec Santo général. Et toute zone ça aussi même groupe armé qui est concerné. Bon, c'est même groupe armé parce que guerre là son guerre pour gagner plus pouvoir économique. Moun yo vle gen plus pouvoir économique pour yo vivre pour yo capable plus mettre pied sous pour population. Ça veut dire que laisse à nous une situation côté que la difficile pour nous vivre dans zone yo. Par exemple, je ne dis à dernière zone qui était gen côté moun yo t'a vivre normalement, c'est zone pleine là. Oui. Mais par contre, Kouniasi, entre sud capitale là, il est bloqué, entre nord là. Il est bloqué, ça veut dire que la population est dans le chaud parce que pas de activité qui monte, vini pour au prince pour pas moun yo manger, tout ça. Ça va permettre que nous avons une situation côté que nous avons de la faim, côté. Population va lever contre autorité aussi pas rien qui fait dans la situation que nous est là et déjà dans situation de famine côté que économiquement et famille décapitalisée et yo besoin en pile assistance. Bon, c'est ça qui fait que nous même dans organisation qui n'a travail nous permet que nous aller répondre à ensemble de besoins nous gagnons et qui c'est un droit au gain en tant que population pour vivre normalement et nous devons répondre à besoin ça. Et pour finir en parlant de ça et nous-mêmes bon c'est certain la plaine n'a gain des parties qui plutôt ville mais gain d'autres tout qui étaient des champs côté pour nous travailler. Est-ce que activité agricole continue? Bon nous qu'a dit que la plaine qui les sac là c'est zone qui plus c'est gain on grenier agricole c'est zone inclus la Tremblay jusqu'à Ganté. Et zone ça c'est des zones qui contrôlées par un groupe de gang. Il est difficile que monde qui fait agriculture paysan qui fait agriculture y arriver dans zone ça. Il c'est ça qui fait que nous vinn bien on raté ensemble de produits agricoles dans zone yo qui vinn faire que nous arriver dans augmentation des prix. Qui gagne dans sous marché a qui vient faire que tout bagaille yo monte et ça qui vient bailler en insécurité alimentaire à travers toute zone et pleine cul de sac mais malgré son pleine qui très et grand irrigation la donne mais population pas gagne sécurité pour permettre que yo vaquer normalement avec occupation. Bien. Alors donc bon on pas veut qu'un beau trop on croit que nous font un petit panorama certainement gain d'autres questions pour nous aborder que nous ta essayer approfondir mais il est pas bon pour nous rester avec ou trop en ligne nous disons bon courage et puis nous là ensemble avec nous dans la mesure où nous capable et nous espérons tout que capable arriver au fur et à mesure faire face à la situation que le gain je veux dire. Oui, merci Godson, merci pour entretien ça, c'est un plaisir pour nous et nous comptons pour solidarité qui au bas nous avec Moun La Plaine qui vit un moment difficile dans moment ça. Nous rejoignons Joe Ulianoff, nous avons vérifié qu'il vient là. Nous avons dit bonsoir. Oui, salut Mavel. Encore une fois, nous saluons toute l'équipe qui est à net, sorti depuis nos responsables. En passant par technicien yo, avec tout employé yo, en général, ça fait un pile plaisir de ce que je vous dis, mais sous Kiskeya, à côté que je te souhaite depuis longtemps pour nous sur radio, parce que tant qu'on connaît déjà, radio c'est radio PAM, radio moi-même en pile. Donc, je suis bien content, je vous dis, nous allons faire un petit bas de bouche, côté nous prenons des positions en tant que dirigeant politique, en tant que secrétaire général, parti travailleur révolutionnaire haïtien qui est sinon je suis Pétra. Et Dieu même coup m'a profité de saluer tout le peuple haïtien, plus spécialement tout comme parti à capitaine de ni à l'étranger, ni en Haïti. Encore une fois, Marel, merci beaucoup, mais à la disposition. Alors, il faut que vous dites que vous êtes ancien candidat. Ancien candidat, pour une bataille, pour nous défendre nos causes, côté masse peuple, lui-même qui est dans une situation déplorable. Et nous toujours ensemble avec ma peuple là
pour nous battre jusqu'à ce qu'il y ait une émancipation totale capitale, côté qui est capable de vivre dans une société, côté tout le monde capable de vivre tant que le monde et richesse pays est capable de disponible pour tous les citoyens à la ronde de côté dignité avec respect, capable de respecter les gens qui ont été les fins créés pays Sahara dans l'année que nous avons 1804. Maintenant, il y a un monde qui prend des mains, qui s'amoure, parce que nous parlons rien là, qui brûle. Passer en Haïti qui a positif, qui a bon, ni pas comprendre, ni pas ouais, ni pas devant, ni pas derrière. Sors-le même. Bon, effectivement, Marvel, c'est pas en Haïti seulement, ça dépend des côtés que tu as posé aux questions. Hein. Mais c'est un peu partout à travers le monde, un pile haïtien, pas comprendre ce qui a passé. Hein. Et aucun monde normal, pas capable jamais ni rêver, ni espérer dans l'État. Le mettre pays d'Haïti là, il t'a privé dans l'Italie là. Dans l'état dégradant, misérable, inacceptable, côté que yo fourré yon peuple, nous bien dire, yo fourré yon peuple, et ni les pays yon fourré. Je ne le dis pas, j'en m'en pose une question ça, ça qui a passé là. C'est qui ça y est? Nous croyons ou même en particulier, et Radio Kiskeya, font pas quel travail pour aider les pays yon comprendre. Côté misère, souffrance, calamité, le sorti. Certainement, nous pensons que Radio Kiske a fait travail pâle, en tant qu'il y a une radio qui entend accompagner les Parisiens, surtout avec l'équipe monde qui était formée, de par côté au sorti et de par choix qui ont été faits, malgré parfois nous payer quelques mauvaises conséquences pour ça. Mais pour nous-mêmes, en tant que dirigeants politiques, pour nous comprendre ce qui a passé dans le pays là, nous sommes capables d'analyser sous plusieurs angles. Premier angle, c'est l'angle historique. Là. Et cet angle historique là, qui est l'élément basique, l'élément fondamental, qui est capable de comprendre tout le reste de ce qui est passé là. Si vous parlez de l'histoire du pays d'Haïti, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est passé là. Mais de quoi l'histoire peut-être. Si vous parlez de l'histoire, vous ne pouvez pas comprendre, mais de quoi comprendre l'histoire du pays ça. Qui savent cette nouveauté vraie, qui rêve cette nouveauté pour toute l'humanité tout entière et par rapport à notre époque, les gens cette nouveauté créé pays ça comme un phare, comme un guide pour toute l'humanité. Côté que notre pays d'Haïti, côté que nous côté un système d'exploitation au niveau mondial qui te servi à moun comme esclave, cap travail, nuit pour la journée. Sans nous pas toucher, pour toutes les vies, pour nos petits poignets, pour nous, racistes, exploités, et bien nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous tenons fait à un système mondial. Ça. Et bien, seulement pour le pays d'Haïti, et pour ça, nous te dit, nous prenons libérer le monde, tout côté des monde qui est dans l'esclavage. Et ça fait que je dis, nous avons des pays qui sont très reconnaissants envers nous. Quitte l'Éthiopie qui a gouverné avec l'Italie dans le 20e siècle. Quitte la Grèce qui a gouverné avec l'Empire ottoman pour nous aller vivre aux batailles. Quitte tout pays qui a un pays dans l'Amérique latine qui a quitté la Grande Colombie. C'est nous-mêmes qui avons libéré tout le monde qui a gagné chaîne. Aider tout le monde tant que Bolivar Nyanda pour te battre aux âmes, entraînement, connaissance, tactique, stratégie militaire, et de tout pays ça, c'est à partir de nous-mêmes que nous allons créer. Donc, si nous comprenons ce qui a passé là, côté exploiter, pas jamais oublier l'exemple que nous avons tracé là, et c'est pour raison ça qui fait tout haïtien nous comprendre, de par origine nous. Comme monde, de par nécessité, je sais, nous avons fait le pays d'Haïti pour que nous avons un rôle historique, un rôle leader au niveau mondial. Mais nous ne comprenons pas tout ce qui a passé nous là, ce n'est pas un hasard. C'est un bagage voulu, c'est un bagage planifié, c'est un bagage orchestré pour détruire le pays. Ça. Et nous-mêmes, que nous avons un engagement, et nous-mêmes, pas bon ici, quel que soit côté, nous avons des militants qui ont bataille, ensemble avec tous les militants, nous avons dit que nous avons un pays d'Haïti dans le cafou, côté tout haïtien,
qui tout en deux pays, qui tout dehors pays, vous obligez de mettre tête pour place pour connaître calamité fait nous passer là, c'est pas un hasard. C'est l'une des raisons qui fait nous-mêmes la partie travail révolutionnaire haïtien, nous te gagnons un gars spécial pour Accord Montana, parce que nous pensons à Accord Montana lui-même, lui offre un terrain, lui offre un espace, pour que tout haïtien conséquent, capable de chiter ensemble pour définir nos stratégies politiques. Même les capables de gagner toute contradiction, c'est la société, c'est normal. Mais nous sommes capables de travailler ensemble pour nous tirer le pays ça dans ce lieu-là. Comme ça, nous disons encore une fois que nous-mêmes, dans le parti travail révolutionnaire haïtien, nous supportons Accord Montana pour plusieurs raisons. Peut-être plus devant, la définie raison. Mais en ce qui concerne la situation nous trouvons là, nous avons une pile stratégie, un pile chute à parler. Pour nous capables de tirer le pays à nos salaires là. Encore une fois, notre travail qui était fait cette semaine dernière là, la radio Kiskeya, un jour, qui t'a côté qui a célébré le 100e anniversaire Jacques-Étienne Alexis, nous pensons organisation pénale, nous pouvons profiter encore une fois. Nous faisons un appel pour travailler ça, pas grimper dans la route, pour nous suivre même route Jacques-Étienne Alexis, que vous voulez tracer, et c'est pour ça que vous venez mourir, pour nous capables d'établir. Une base, une plateforme politique pour que tout élément conséquent, révolutionnaire, tout patriote, capable de chiter ensemble pour nous définir une véritable stratégie, tant qu'on te dit, de nouvelle indépendance. Parce que nous pensons que nous le disons, Jacques-Étienne Alexis, Jean-Étienne Kiskeya, nous ne pas supposés parler de lui, mais célébration, 100e anniversaire dans nous sommes supposés chaque jour nous lever, on a regardé qui ça est Jacques-Étienne Alexis, que baille pris comme mission. Et en pile notre patriote, tant que vous avez le bobo, tant que vous êtes en finesse, tant que vous avez des de l'homme, en pile notre patriote, nous avons pour nous venir avec vous devant, qui ont même te fait honneur de la race noire, qui te fait fierté haïtien, et je vous le dis, nous pensons qu'il est important pour nous travailler. Mais l'État où vous pays là, ce n'est pas un hasard. Nous avons parlé, mais l'État où vous pays là, c'est un plan. C'est une stratégie. Et pas oublier qui ça blanc dit l'autre jour là. Il dit, mais moi Dieu qui va venir là, tout problème va régler. Et nous connaissons bien gros pays criminels. Nous venons de zone premier, ça a eu des stratégies du chaos qui est dans la politique. Et nous connaissons bien nos façons équipe gang criminelle ça. Monter de toutes pièces dans le pays avec qualité d'âme, qualité munitions. Le jeune qui a la disposition, ce n'est pas le hasard qui est lié. Ça fait partie de la stratégie, parce que logiquement, l'ICEM est à l'origine de Calia, pour le finir à pays d'Haïti, pour le faire tourner au paria, parce qu'il te dit, de ne pas jamais quitter nous venir au exemple pour la race noire, parce qu'il est juste en 4, je ne peux pas. Mais justement, c'était la question que nous avons posée, comment on va faire gang là. Donc, on inscrit dans le cadre de stratégie. Impérialiste, stratégie. Mais est-ce que là, on analyse ou pas, et prioriser un petit peu trop, et facteurs externes, et par exemple, on sortit depuis dans l'histoire pour montrer, et si on l'a dit, j'espère mettre, on va accepter que nous t'ai fait. Est-ce qu'on n'a pas une tendance à privilégier trop, et facteurs externes, crise là? Et ou négliger tout, par conséquent, par voie de conséquence, facteurs internes et notamment faiblesse, ou soit bêtise, toutes sortes de tintin, et partis politiques nous fait. Ok, Mavel, merci pour la question. Ça me donne une soli. Mavel, ce qui est tellement important, on va parler des facteurs internes, ça veut dire que nous tenons compte des acteurs qui soutiennent. Mavel, il faut acteurs qui soutiennent, à l'exception de ça qui campait beaucoup de peuple là, pour l'organiser. Et ça, comme des jours, blanc connaît tellement, connaît pas trop ce qu'il y a, il va connaître qui bout pour le moment qu'il y a. Parce que, en gros, élément constitutif, ce qu'il y a, l'élément constitutif, quantité d'organisation, quantité militaire qui vient porter, l'homme qui vient bailler ce qu'il y a, qui vient Montana, non, c'est ça qui fait blanc fait. Quand il y a une tentative, blanc fait comme si il ne reconnaît pas qui est à côté de nous, à côté de nous avec M. SDPO, avec toute l'autre
équipe mon qui t'a cité avec Ariel Kebran que nous menons un tweet que même c'est jusqu'à présent bagage ça me pense tout haïtien qui digne d'être haïtien pourquoi depuis même côté était fait tweet qui t'a nommé Ariel Joseph là nous peut pays a été supposé être sous deux pieds Ariel Henry, excusez-moi jusqu'à ce que nous puissions effacer la DSPN, ça va être. Algade la constitution qui dit qu'il y a un nommé monde comme responsable. Premier des inspecteurs, monde qui nomme Ariel Henry, c'est des haïtiens qui complotent pour craser le pays. Deuxièmement, la constitution ne dit pas parler de tweet pour le nommer responsable. Donc, haïtien qui haïtien vrai, toi jusqu'à présent, ça nous a coulé. Et nous prenons le père de Saline. Après la mort, continuons à fumer, nous allons bobo, tout bon haïtien ça y est, qui peut respecter nous à travers le monde, nous pouvons côté là et pas de trois coups de feu pour nous. J'ai passé des spectateurs, j'ai passé des spectateurs. Et la guerre de bataille, continuons à fumer, que nous ne pouvons empêcher Blanc en 20 ans, moi c'est Nicolas qui était venu de base militaire. Et continuons à fumer, c'est tellement d'arguments pour te. Fait blanc comme qui s'appelle d'Haïti, blanc qui est obligé de faire bac. Vous n'avez pas dit en deux pays, on a parlé d'éléments éternels. En deux pays, nous n'avons pas de parti politique. Nous avons des sikisal, nous avons des éléments lumpen bourgeois, petits bourgeois, qui ont même mis au service des blancs pour liquider les ancêtres. Mais parallèlement à tout élément, il y a des éléments patriotes. Éléments patriotes, Montana, c'est un exemple. Malgré. Il y a quelques monde qui questionnent la bande de Montana, mais en général, Montana lui-même blanc tellement comme ça, Montana Chayandel, et encore une fois, je dis responsable Montana, position correcte, parce que vous connaissez qui est-ce qui met Ariel Henry. Ariel Henry, c'est un marionnette. Tout ça qu'a fait là, c'est plein blanc. Et nous dit tout le peuple haïtien, il est supposé de faire quoi de Montana jusqu'à ce que le peuple là lui-même. Il dit mon parle jusqu'à ce que chaque coup fait la fête, parce que je vous l'ai dit, nous toujours dit nos comportements, nos histoires, puis ces gars n'ont pas fait Kim. Donc, nous avons fait Montana comme nous avons une importance stratégique, parce que ça permet réellement, nous parlons, faire ça, le puis ces gars n'ont pas fait Kim, mais nous avons une base, nous sommes une plateforme politique. Pour nous capables de bataille, pour nous défendre les terrains. Donc, en deux pays, tout ce qui est passé là, c'est une série d'éléments blancs servis avec eux, même pas ces fiertés. Ça, c'est les haïtianités à lui-même. Nous supposons faire nous lever campé pour nous connaître pas n'importe qui nous. L'humanité, comme ça nous représente. Africains, comme ça nous représente. En pilote nation, comme nous pas n'importe qui nous. Et ça fait en pilote nation, là, ils rencontrent nous à l'étranger, ils disent où c'est haïtien. Franchement, c'est avec nous la peine, parce que ça qui a passé là, à travers ça, nous comprenons comme nouvelle, ça va assembler nous. Et là, nous disons ça qui a passé là, là, nous comprenons qui est-ce qui a la base, donc les pays américains qui lui-même manipulent les détroits de l'Ompen. Et c'est ça que nous allons comprendre. Même d'avoir parlé des questions de Gagnon. Gagnon Marvel, pas de la faire tout ça, on va faire là, si pas de gagner. Américains derrière vous, si pas de gagner la France derrière vous, si pas de gagner le Canada derrière vous, deux pays. Que même qui s'amontrait pour écraser le pays d'Haïti. Donc, c'est ça qui va l'expliquer. Qui va nous dire, ouais, l'un des facteurs internes et facteurs externes, nous combinons ensemble. C'est un DA qui mène ensemble, qui fait un cocktail pour essayer de détruire le pays. Et nous-mêmes, par bon côté, par nous, nous supposons travailler pour nous définir toute quatre stratégies, parce que qui blanc veut, qui ne pas veut, j'ai oublié de chiter à Montana. Et là, chiter à Montana, il faut une équipe solide qui connaît que l'IPCN a passé là, qui connaît le peuple à aller. Et pour cela, nous demandons à toute organisation de gauche qui est dans Montana, je suppose que chiter pour le travail en pile. Et ça fait, là, on a pour Jacques Stéphane Alexis comme exemple pour te montrer le travail qui est fait. Et c'est ça qui cause le mal tout. Nous avons venu créer une véritable plateforme politique qui est repartie par la démocratie, partie de son populaire. Ça veut dire que permet que tout élément patriote, conséquent, révolutionnaire, marxiste, communiste, tout élément solide, nous aussi ensemble pour nous faire une autre indépendance. Nous pouvons dire, nouvelle indépendance, deuxième indépendance,
li possible depuis nous comprendre ennemi éternel et nous comprendre combinaison ennemi éternel avec ennemi. Je bloque ni sud pays américain, je prends le département l'Ouest là. Côté que la donne, presque 3 cas de l'électorat pays. Ya. Déjà, craser Matissan, craser Belle, craser La Saline, et où ça va fait? Je crase, et pour plus fort, en pile dans le monde, ça, je gagne. Pendant que je finis craser pays, ya, où est blanc ou pas inquiété, élection pour le fait. Avec qui nous devons faire élection? Avec qui car l'électorat devons faire élection? Donc ça, premièrement, ça fait blanc capable de haïtien qui considère comme sous-homme, qui a pris un pied devant blanc, mais n'a fier d'être fils de Saline, n'est pas qu'à penser que deux, trois graines sous terre. Mais moi j'ai une poêle, vous voyez qui ça? Mais ça ne ça le poêle là, c'est de faire blanc l'oeil. Laisse nous organiser nous. Ça veut dire gagnons ou observer avec nous là, c'est pour créer un populaire, il a dit que pour détourner nous parce que les bas nous blancs, tellement blancs matraqués nous, et pour voir brusquement pour nous tout le monde, les fait lui, et puis après ça, pour oublier, et que ça le terrain, tout crime qui est. Qui bloque quitter notre pays là. Et c'est là que nous allons comprendre. Mais que Madonna Linde dit, faut féliciter Genève, parce que je dis, à travers Madonna Linde, mettez notre pays là, chose que nous avons des amis, que nous avons une facilité avec laquelle, pour y passer dans toute douane qui dénonce des pays comme les États-Unis, pour y apporter un examen, munitions, pour venir craser le pays ça, nous pensons que ce n'est pas le jouet. Mais quand ça m'a vu, il est important pour nous faire le travail et éléments conséquents, éléments dans Montana, supposé travail sans relâche pour nous capables de définir une véritable plateforme politique qui mette nous en position pour arriver à pour conditionner poser pour ne pas venir penser que Radier Stephen Fernand mettait dans le poutier le monde pour traumatiser le monde parce que les traumatiser le monde trop. Bon côté venir, il ne vient pas qu'à réfléchir encore, soit à l'île blanc. Mais c'est plein macabre ça, c'est plein criminel ça. Et périaliste américain en tête, là bien de pays avec Gagnon, parce que Gagnon est là, depuis sous les 400 Maozo, qui fin kidnappé missionnaire américain, si nous devons comprendre, nous devons comprendre. Kidnapper missionnaire américain, c'était un scénario. Et où est-ce si nous pas servi à scénario ça? Pour tenir que faire à Gagnon, même si là nous avons montré nous, et que quitte nous sommes des pays pour la Dominicanie, tout le pays s'en servi à Gagnon, par exemple, 400 Maozo, il n'y a pas de rôle politique seulement, il y a un rôle économique pour craser l'économie pays au profit de l'économie dominicaine. D'accord. Ça fait une. Alors, vous souhaitez à plusieurs reprises souligner l'importance à quoi Montana. Mais il est clair, si la population n'est pas embrassée pour ça, elle n'est pas prise en quelque côté. Et donc, nous devons comprendre, pour en parler là, et la stratégie gagnée, c'est justement empêcher la population capable de chita pour lui faire un choix qui est allé dans la direction ça. C'est ça, mais moi, Mavel, comment comprendre tout le monde chasse, le chasse, nous n'y pas foutu tout le monde dans la zone. Vous pensez, c'est un hasard, quel est Mavel? Là, on a vu que dans la bataille pour contrôler la zone, c'est pas vrai. Véritable travail de nous, c'est chasser la population, hein? C'est traumatiser, et puis là, on finit traumatiser, mais au niveau tel, et puis qu'on y a blanc, j'aime de tout à l'heure, là, on y claque de l'être,
et puis tout des rapports qui nous tout, les sapeaux de la population parle tellement étonné, là dit c'est un miracle, et puis c'est là où pour nous. Qu'on y a une piste que nous avons plein. Je suis dit qu'on a fait ça, mais je dis bien que vous avez un approche, vous avez fait l'idée apparaître comme si là qui est capable de contrôler les gangs, qui est capable d'établir la paix. C'est évidemment, tout le monde qui a déjà marqué, les couilles à nous-mêmes, faut nous gagner l'autre contre-plan. Au contre-plan lui-même, travail ou éditorial, aidez-nous en pile, parce que dans pile bagarre, vous dit à l'air, population, nous avons de mon marvel, qui finit travail dans une matisse, qui était belle, petit caillou, nous avons de mon nom pleinement, nous avons de mon soubelle marvel. Mais quand nous avons de mon marvel, nous avons de soubelle, on détaille mon nom, c'est là, j'ai poussé un détail mon nom, elle dit, nous avons tellement, et où est ça? Ouais, le gouvernement de cette calée a tellement complet avec nous. Qu'est-ce que le gouvernement de cette calée a fait? Et c'est ça entre nos stratégies eux-mêmes. Pour parce que l'élection, j'ai eu qu'on a habitué à faire déjà, c'est pas une population qui a voté. Parce que je veux que cette calée a fait pour pouvoir, ni en 2016 ni en 2015, qui ont gagné et joué, nous chassons ces populations, nous tirons tout le monde avec l'élection pour traumatiser nous. Pour nous attendre la presse, tape dit où, côté gagné, si tu avais tout le bois bulté, combattu, les amis de côté, il y a plein de boîtes, il y a plein de boîtes. Et comme drôle de coïncidence, qui moun qui est responsable de la question de la stabilisation, a perdu qui ça a perdu, conseiller Léopold Bélanger, ou Léopold Bélanger qui s'alte, c'est agent blanc qui mettait même pour pouvoir contrôler l'élection. Donc là, nous venons de tout bagaille ça, yo. Qu'on y a nous comprenons plein, qu'on y a où sort d'intérêt, qui ça pour nous faire pour préparer l'ICM. Parce que qu'on y a là, c'est Wall militant, conséquent, c'est Wall Montana qu'on y a, pour déplacer la guerre militaire de façon intelligente, pour y aller parler avec le peuple. C'est Wall Montana qu'on y a, pour mobiliser le peuple. C'est Wall Montana qu'on y a, pour expliquer le peuple. C'est pas que des seulement pour le temps, des salpères. Voyez militants dans l'organisation, définir un programme. Faire un programme avec documents à l'appui, de façon qui fait, parce que le peuple haïtien lui-même, à travers ça la vivre là, la peine, le voir pour le suivre, pour le tirer dans le là. Pas oublier Marvel, en 85, le peuple a été commencé pour la rue, et bien l'LTP chaîne, c'est le 86. Tout le monde te voit, qui ça le peuple haïtien? Donc, le peuple haïtien a tenu le leadership, en anglais, en créole, la tenu direction politique. Je pense que Montana avec tout élément conséquent qui est dans nous, doit chita pour nous faire des véritables colloques, pour nous faire des véritables réflexions approfondies, qui primaire approche que pour Montana jouer. Parce que le peuple a quoi dans Montana? Haïtien qui est à l'étranger, en grande partie là-dedans, quoi dans Montana? Parce que nous croyons avec Montana, nous sommes capables de redéfinir notre route pour nous libérer Pia. Donc nous avons demandé qui ça, le peuple traumatisé comme ça, même le peuple a traumatisé pour occuper avec support. La presse et support les réseaux sociaux avec un bon travail de conscientisation, avec un bon travail d'organisation, avec un bon travail d'orientation politique. Je pense que le peuple est capable de prendre confiance dans la tête et organiser pour sortir de ce lieu-là. Ce n'est pas blanc, au contraire. Blanc lui-même, c'est détruit blanc. Donc, même maintenant, des peuples haïtiens, pas d'aucune initiative. Blanc vient là pour nous montrer qu'on la donne. C'est ça pour nous montrer qu'on la donne, blanc te définit nous-mêmes. Pour nous dire, mais sous qui ça nous entend mener combat nous. Donc, Montana a un rôle historique. Je vous dis encore, et je vous dis, et comme je vous dis, qui est à l'audio, je vous dis un rôle historique. En tant que militant de la gauche, avec des militants qui doivent être peuple là. Pour nous jouer, pour nous aider le peuple à comprendre, parce que je vous dis là, nous avons trois moyens dans nous. Sous Duvalier, les bails étaient plus critiques. Vous avez que celle Green Radio Soleil, avec celle Jétroji de l'Alpote Comouri, dans la radio lumière, deux, trois tiers éditions nouvelles, tout le monde a été passé, tout le monde comprend. Aujourd'hui, il y a nous tellement de moyens à la porte de nous. Nous sommes capables de faire miracle. Et nous en position depuis nous organiser pour nous faire miracle ça. Miracle pour libérer les Parisiens et reconstruire les zones populaires qui gagnent le météo. Que gagne l'ambassade américaine météo. Parce que tout ce qu'on a fait là, il y a un accord ambassade américaine, il y a un accord ambassade Canada, il y a un accord ambassade de France pour écraser le pays là, parce que c'est un pays où il est sémanté pour écraser. Et nous, même militants en conséquent, c'est pour nous sémanter même les ancêtres où il est sémanté là, mais que l'éclair est
expédition là pour te venir établir l'esclavage. On est pays ça. Nous pas bail pays ça. Il faut une fermeté, j'aime bien organiser nous. Et si nous bien organiser nous, j'aime cette notre faire. Sous quelle que soit façon, nous sommes capables de libérer le pays. Et je vous dis, nous avons pile possibilité avec Haïtien qui est à l'étranger. Donc pile Haïtien qui conséquent qui est à l'étranger, qui prêt pour venir poter coller, qui est même tout victime des politiques sabotage que les États-Unis ont fait souffrir nous. Des politiques sabotage que le Canada a fait souffrir accès nous. Des politiques sabotage que la France, la Dominicanie a fait souffrir nous. N'oubliez pas, le gouvernement en Dominicanie, ce n'est pas peuple dominicain. Parce que peuple dominicain, c'est frère, en pile dans c'est notre tour de haïtien sorti. Mais par rapport à la politique raciste, que même Dominique, ça, qui est éthiope, qui fait miraille pour séparer avec le Mexique pour ne pas travailler, ou c'est même pas la reproduction. Donc, son politique raciste qui est au niveau de quelques pays qui a dirigé par rapport avec les haïtiens, par rapport avec l'autre monde qui a souffert, qui pour diable pense que c'est pays qui quitté pour quitter pays pour chercher la vie mieux, et bien je ne dis pas que nous obligés à aborder des questions comme ça parce que tellement nous avons pile de bagages pour nous dire, nous obligés de dire des bagages que nous sommes capables de prendre au fond, qui ça nous voulait dire, c'est un appel historique, n'a pas lancé pour le peuple là, à travers les militants conséquents, mettre quelqu'un ensemble pour nous organiser nous. Et nous disons, Montana, militaire, qu'est-ce qu'il y a à l'autre duo, mettez-nous ensemble, en chita, pour nous définir notre plan, notre stratégie, pour nous sauver les paysans, parce que nous n'avons pas là, nous sommes en bonne voie. D'accord. Alors, la promotion, Joe Yanoff, c'est nous, du combat, avec Jean-Pierre, et nous espérons reparler encore, et comme je t'ai dit, son voix, qui était qu'on est frappé très fort et sous radio déjà et que nous bien longtemps nous attendons et vous parlez nous de parti politique les souterrains les fait partie de ensemble organisation qui dans Montana et pour en parler et est-ce que vous êtes capable excusez-moi effectivement l'entreprise prend disposition nous te by Lord avec un camarade de passé à Kunte Voué, l'aide Bali, l'aide allé, il dit côté l'aide allé dans Kiskeya, il n'y a pas de recevoir. Donc, comme nous dit le public, nous disons le public que mon Kiskeya, et pas à mon Montana, l'aide Voué, mon Alma Montana pour nous-mêmes, nous avons apposé ce type à nous, pour nous mettre comme une équipe là, et bien, mon qui était allé là, il dit nous l'aide arrivé, il était balé en train de nous recevoir. Donc, comme public, nous disons, nous même n'avons pas de travail révolutionnaire haïtien, même avec tout élément conséquent de gauche qui est de Montana, nous même nous supportons Montana. Quitte qu'on y a là, je dispose pour régulariser ça, sous façon pour nous mettre chez Atino, nous disposer n'importe qui doit lancer appel là-bas nous. Je gagne numéro, nous devons contacter nous. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, numéro contact nous, et puis pour nous finaliser ça, parce que nous des camarades qui gagnent sous terrain. Et nous-mêmes, très bien que nous avons souterrain, hein, j'en connais, nous tous nous faire là, donc nous pas de problème, celle ça nous prend, préparer ici, hein, l'histoire est fait de nous pour nous prendre des scènes, nous déplacer. Nous. Eh bien, nous avons remercié vous, nous avons espéré, et nous avons parlé dans longtemps, et de initiative, de démarche, de action, et parti ça, parti travail révolutionnaire haïtien. Merci en pile, Joe Oulianoff, Jean-Pierre, et pour participation dans l'émission d'Imadou aujourd'hui. Merci Marvel, et merci Pépalicien, et merci Technicien Radio Kiskeya qui permet de nous mettre tant de voix en tant que militant politique révolutionnaire et tant de voix parti travail révolutionnaire haïtien qui détient nos actifs Petra. Merci en pile, et nous à la disposition de notre qui est dans lutte pour la journée de pour nous apprendre. D'accord, merci beaucoup. Merci Marvel. Ouais, alors c'était responsable politique ça, et qui était très actif et dans le secteur de la Valas en particulier, avant que les défis fondent des partis ça avec quelques autres et camarades, et qui était posé candidature il n'y a pas longtemps, dans la dernière élection, quand c'était pour poste sénateur.
Donc, mais ça a été passé et on gens que je n'ai pas satisfait. Et il était voulu, par exemple, dans le moment ça pour la convention que tu as gagné dans la famille Lavalas, tu as choisi, bon, je n'ai pas choisi. Et finalement, il paraît sous l'autre bannière. Donc, c'est lui-même, mais si on est très connu dans le milieu ça, et dans le milieu de l'organisation Lavalas, tout comme l'organisation populaire, yo, et comme son monde qui était lutté et parmi eux pendant longtemps. On va nous proposer, on a dit que matin encore, tu as gagné une situation de tension dans la zone la plaine, puis spécialement dans la zone Bouboyer, Kafouchada, côté. T'as eu un pile cri d'alarme qui t'a lancé et des côtés semblé bandit t'as pris entrer dans Kaimoun, t'as tiré au monde et t'as simé la terreur et dans zone ça. Donc les monde dans zone là nous connaît qui est obligé quitter Kayo car réfugié de l'autre côté. Situation ça terrible. Il paraît que même il y a des policiers qui étaient dans la zone, ou soit qui étaient dans la zone, qui tapaient, lançaient des SOS pour rejoindre un fort, SOS tout pour rejoindre moyen pour sortir, pour y mettre à l'abri de l'autre côté. Une situation tête chargée qui vient la pleine, et soi-disant, et dans le cadre ils ont laissé frapper entre deux groupes gangs. Nous disons soi-disant, parce que, au fond, et même si nous avons un schéma dans Matissan, plusieurs gangs qui ont boumé, on ne peut jamais comprendre véritablement pour qui ça gang ça a boumé. Et c'est comme ça tout, autant de deux gangs, déclenché bataille matin en tout, dans la zone Douillard. Donc, ils viennent amplifier ce qui a passé dans la zone. Quoi des missions, quoi des bouquets, on vient amplifier lui. Il y a deux gangs, et une quoi c'est Ti Gabriel, l'autre là son certain Mathias. Deux gangs qui une a toqué qu'on a l'autre. Pour qui raison ou pas qu'on est. Parce que ces gangs pour gang, ils ont déclenché bataille. Alors, raison officielle du bail, c'est guerre de territoire. Comme quoi ces territoires, ils ont cherché et prennent une dans l'autre. Mais au fond, ils nous gardent. Et c'est vrai que quelques bombes gang qui tombaient, mais c'est plus dans la population civile la dégâts. Fait. Non seulement en termes de monde qui mourit, mais en termes de monde qui blessé, en termes de monde qui déplacé, qui quitte, qui oblige à quitter Kayo. Donc c'est la population qui a pris frappe. C'est la population qui a pris frappe. Et gang yo autant de pris coup, autant de gang gang qui tombe, autant de. Mais c'est à toi yo gen initiative, c'est à toi yo gen force de feu, force de frappe. Et c'est comme si m'dadou tout engagement autant de. Et on dit la police, on dit l'armée tout, l'armée nous connaît, on a le poté collé dans zone quoi des missions, zone quoi des bouquets, mais qui résultat finalement? Donc, on a une raison pour poser cette question sur vrai objectif gang, qui vrai mission yo? Qui vrai travail yo? L'homme gade qui l'attitude yo gagne pour agir. Et ces populations, comme nous disons, cap subi tout plus. Même si vous avez eu l'autre dommage et a enregistré, mais l'homme gade bien, ouais. Finalement, ces populations, c'est lui-même qui est obligé. Alors, il y a plus de monde nourri. Parmi lui, il y a des gens qui blessés, il y a des gens qui traumatisés.
Et puis, moun yo obligé à déplacer, quitter la caillou, pour aller l'autre côté. Donc, pile moun la pleine, qui parle d'activité professionnelle, yo, parle travail. Petit, yo parle l'école. Donc, mais qui bagaille ça? Qui cause ça? Pendant ce temps, Matisan a toujours été bloqué. Donc, c'est son bagage incroyable. Et puis, ou bien un premier ministre qui l'a, ou bien un gouvernement qui l'a, ou bien un parti politique qui l'a, qui a soutenu. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça n'a pas vivre là, dans le pays d'Haïti. Maintenant, c'est qui formule, qui stratégie pour la population jeune, pour malgré y a dispersé, malgré y a déstabilisé Jean et Jean ou Jean William, on se dit là, malgré y a déstabilisé, c'est comment, et là, c'est une question de leadership, c'est une question de vision d'organisation, vision de dirigeant politique. Comment pour malgré population bouger à déplacer, quitter la caille, quitter quartier, quitter zone, comment pour mobiliser pour lutter contre ça qu'a fait là? Parce que s'il pas jeune formule, eh bien il a réussi ça le faire, parce que au bon moment il est sûr que il a déstabilisé la population. Jean pour déstabiliser. Là on fin sûr que brasser yo mette moun yo dans situation côté, yo pa gen ken capacité de réaction. Alors laisse ça y a venir solution politique yo. Y a venir solution politique yo. Là yo décréter la calmie. Et c'est décréter à décréter. Là décréter la calmie, qu'on est là population a gétan débalisé et li pas capable camper en face pour faire quoi que ce soit. Et il y a baou, ça revient baou. Causer élection, ouais, Ariel a parlé là, eh bien, il y a pris un moment côté, il y a baou, il y a posé, et il a passé Jean ouvert. Si nous tombons dans un piège, enfin, baou nous dit piège, nous mettons nos situations pour. On a couru à droite à gauche parce que l'on regarde c'est masse moun qui constitue pratiquement électorat éventuel là moun qui était capable de voter dans quartier populaire c'est même là y a souqué donc certainement on pourrait des manigances ou après des soi-disant efforts qu'a fait mais nous barrer ça dans pile victime a des victimes dans population a des victimes beaucoup de la police capable des victimes beaucoup de gang tout mais œuvre principale travail principal c'est mettre pays à tête en bas pour arriver au moment pour faire ça et vous voulez faire parce que pas de gang la vie pas de l'armée la vie mais regardez ça qui force police là. Yo dit yo pas de matériel yo pas de zam bon c'est relatif yo pou pa ki fondamental et qui dépasse tout l'autre facteur. C'est la légalité. La légalité. Le fait que la police est légale, eh bien, c'est comme s'il était un plus gros âme contre bandit. Donc, il y a une bonne action qui est capable de mener, il y a une bonne décision qui est capable de prendre. Pour aller entrer dans plus de détails, c'est pas domaine moi, mais l'air voulait ça régler, l'a réglé en 48 heures. Si il pas trop, y a comme nous pouvons aller, y a comme nous pouvons menacer, y a comme côté pour aller, y a comme côté pour aller.
Parce que gang yo gen gite, yo gen base, yo gen côté niché. Yo kon côté pour aller. Gang pas capable sorti avec autant d'essence. Quoi des bouquets pour venir quoi des missions et puis pour retourner quoi des bouquets encore. Retraite élément ça, il pas capable aussi facile. Dans son bagage, c'est béaba dans stratégie. Là où on force qui déplacer, lui quitter zone de prédilection ni et mais béaba dans stratégie commander automatiquement mettre au point d'arrêt pour pas qu'à tourner. Donc il dehors de la net et depuis le dehors, il perd du repère, il perd du toute capacité pour lui ressourcer lui pour lui relancer. Donc une fois que gang yo te quitté quoi des bouquets, pas doué capable de retourner quoi des bouquets encore. Ça c'est béaba dans stratégie militaire, dans stratégie de lutte contre des éléments et subversifs. Donc ça c'est élémentaire, élémentaire. Donc nèg pas capable après aller et à venir. Il est pas capable de ravitaillement. Ne pas supposer qu'il y a un ravitaillement. Une fois que vous déplacez à l'autre côté, eh bien, c'est ça que vous avez pour utiliser. Jusqu'à ce qu'il finisse. C'est incroyable. Pour avec autant de facilité, pour n'être pas opéré, ou tant de vous opéré hier, vous opéré aujourd'hui, vous avez opéré demain encore. Mais ce sont pays. Ce sont pays. Et n'est-ce pas tout le monde pour imbécile. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous voyons sympathie nous, ben tout le monde la plaine qui en bas choc et nous des amis nous parmi eux, nous des collaborateurs nous tout. Nous voyons nos sympathies et solidarité, ben eux pour dire qu'un bel an, nous connaissons la pas facile, mais mon espoir, c'est pas toujours comme ça. Haïti, il y a pour le bon souffle.